قل زاك أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأن محمدا وأن محمدا رسول الله رسول الله الحمد لله الله أكبر Und inshallah noch viel mehr Leute sollen den Islam annehmen. Heute nur zwei, Alhamdulillah. Weil das ist die wahre Religion. Qul, sag, ashhadu, an la ilaha إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ الحمد لله الله أكبر الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشره من الله والبعث بعد الموت بسم الله الرحمن الرحيم Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Louange à Dieu, le Seigneur des mondes. Que la paix et la salutation et les bénédictions soient sur Mohammed, son dernier prophète, et sur tous ses prophètes qui l'ont précédé. Inform people about Islam. It's also important for me to let others know that I was not forced into this religion. I really want to share this with the people. I really hope I will make a difference in France. أنا محمودة سعيد من منطقة غرب الإسماعيلية. أنا مسلمة دخلت دين الإسلام عن قناعة. محدش خاطبني محدش خاطفني محدش أجبرني على حاجة. أنا داخلة كده مقتنعة 100% باللي أنا عملته. الحمد لله ربنا أهداني نور الإسلام. أنا أشهرت النهاردة إسلامي في الأزهر دي شهادة إشهاري. أنا أصبحت من الآن مسلمة. والحمد لله رب العالمين اسمي حاليا حبيبه محمد احمد انا دخلت دين الاسلام عن قناعه مقتنعه جدا 100% بالكلام اللي فيه مقتنعه 100% بالدين الاسلامي نفسه مش مقتنعه باي دين تاني واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والحمد لله ان ربنا هداني الدين الاسلامي وربنا يهدي الجميع Aujourd'hui on va parler du miracle sensuel dans le Coran, l'araignée. Donc c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemble à l'araignée. C'est donné maison et c'est la maison la plus fragile si seulement ils savent. Et telles sont les paraboles que nous citons aux gens et seulement les savants qui les comprennent. Aujourd'hui, on va parler du miracle sensuel dans le Coran, l'araignée. Donc, c'est indiqué dans le Coran, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est donné maison et c'est la maison la plus fragile si seulement ils savent. Et telles sont les paraboles que nous citons aux gens et seulement les savants qui les comprennent. Donc, pour l'araignée, qui fait la maison, l'étoile de l'araignée? C'est la femelle ou c'est le mâle? C'est la femelle. Et même dans d'autres sorts de l'araignée, il y a des mâles qui aident
à faire la maison, mais c'est la femelle qui fait la maison, c'est pas le mâle. Et il y a un savant allemand qui s'est converti à l'islam à cause d'une seule lettre dans le Coran, parce que si on a modifié une seule lettre plus, ça veut dire que c'est la femelle qui fait. C'est comme en français, par exemple, on dit l'araignée, c'est donner maison, donner, c'est avec deux œufs, parce que c'est féminin. Aussi en arabe, si on ajoute une seule lettre, ta, at-tanis, ça veut dire que c'est la femelle qui fait, c'est la maison et c'est pas le mâle. Après ça, deuxième chose, ici que c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Comment fragile? Puisque maintenant, ils font des vestes, des gilets anti-balles, des lignes fines de l'araignée, de l'étoile de l'araignée. Parce qu'en fait, la maison de l'araignée, nous on prend notre maison. Pourquoi c'est fragile? On prend la maison pour se protéger contre la pluie, la neige, l'orage, quelqu'un qui prend son maison pour être protégé contre l'ennemi, contre n'importe quelle chose. Mais par contre, la maison de l'araignée, c'est pas comme ça. On voit tout dans la maison de l'araignée. Donc c'est pas protégé, c'est... on voit tout, on voit tout. Qu'est-ce qui se passe dedans? Ça c'est une chose. Deuxième chose, que la maison de l'araignée, l'araignée c'est un insecte très intelligent. Qu'est-ce qu'elle fait dans le début? Elle fait une couche qui stick, que quand les autres insectes ils viennent dedans, ils ne peuvent pas bouger. Après ça, elle fait une autre couche normale qu'elle peut aller et manger les insectes après ça quand ils sont déjà morts. Donc déjà, on parle à maison fragile, on parle des insectes qui sont morts dedans, et elle les chasse dedans. En plus que quand le mâle de l'araignée fait le sexe avec la femelle, s'il ne s'enfuit pas après 15 minutes, elle les tue dedans. Parce que la femelle, elle est plus grande que le mâle, et il doit partir tout de suite. Dans 15 minutes, s'il ne part pas, elle les tue dedans. Même les petits de l'araignée, quand ils sortent, entre eux aussi, ils se bagarrent, et le fort qui reste, l'autre, et ils se tuent entre eux, etc. Donc il n'y a pas la tranquillité dans la maison du tout. Tout, c'est du son, des problèmes dedans, des chasses, des problèmes. Ça, c'est pour la maison de l'araignée. Donc on sait maintenant que la maison, ce n'est pas une maison de tranquillité. Donc c'est une maison fragile de ce point-ci. Et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et maintenant, on sait, parce que la science moderne a tout prouvé après des recherches et scientifiques sur tout ça, et maintenant on sait, et c'était indiqué dans le Coran plus que 1400 ans avant ça, et le prophète Mohammed, s'il a grâce à la paix, il ne sait ni lire ni écrire, il vient du désert, et ça c'est une preuve comme quoi il est prophète, s'il a grâce à la paix. Donc ici, ceux qui ont pris du protecteur en dehors d'Allah, ces gens-là ressemblent à l'araignée. Parce que l'araignée, elle a pris une maison pour être tranquille dedans. Mais, en fait, ce n'est pas une maison tranquille, comme on l'a vu. C'est la chasse, problème avec le mâle, problème avec les bébés qui sont dedans, etc. Comme ça. Donc, ce n'est pas la tranquillité dedans. Donc, dans le Coran, c'est indiqué, ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée. C'est donner maison. Donc c'est la femelle qui fait la maison, et ces gens-là qui ont dit, ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de Dieu, ils sont comme l'araignée. Elle a pris une maison, et ils ont pensé que c'est la tranquillité dedans, c'est une maison, c'est une maison. Mais en fait, c'est pas une maison. Il n'y a personne qui veut rester dans une maison comme ça. Parce que cette maison-là, il y a toujours des problèmes dedans, comme on l'a vu. Donc il y a personne qui souhaite avoir une maison comme ça. En plus, tout le monde voit qu'est-ce qui se passe dans la maison, parce que c'est pas protégé, il y a pas, et comme notre maison, des murs ou etc. Donc ces gens-là ressemblent à l'araignée. Ils ont pris cette maison-là, mais en fait c'était pas une maison, c'est quelque chose de pas tranquille pour eux. Et c'est la maison la plus fragile, si seulement ils savent. Et tels sont les paraboles que nous citons aux gens, et seulement les savants qui les comprennent. Tellement clair le ayat. Wallahu a'lam. Allahu akbar.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا والله أعلم.